nature humaine étant ce qu'elle est, la première utilisation de cette découverte fut, hélas, la guerre. Nous sommes ici dans le parc de Saint-Cloud, où se dressait autrefois un magnifique château. Faisons ensemble un bref retour en arrière. Nous sommes le 13 octobre 1870. Le château du domaine de Saint-Cloud est occupé par les Prussiens. Le feu se déclare immédiatement. L'incendie fait rage pendant 2 jours. On sauve ce qu'on peut du mobilier intérieur, mais les dégâts sont énormes. Du château, il ne reste que des ruines. Celles-ci seront définitivement rasées 20 ans plus tard pour des raisons de sécurité. Il ne reste plus aujourd'hui que les fondations. Mais revenons à cette poudre, découverte il y a plus de 2000 ans. Outre son usage guerrier, la lumière dégagée par cette poudre lors de l'explosion permettait de l'intégrer à des spectacles afin d'impressionner le public. C'est ainsi que naquirent les premiers feux d'artifice. Très vite, naquit l'idée de colorer cette lumière. Jusqu'ici, on se contentait de mettre un peu de poussière d'or ou d'argent pour l'enrichir en quelque sorte. Les tirs étaient donc généralement monochromes. On jouait sur les formes, les rythmes, les effets de pluie et les décors. C'est au XVIIIe siècle que les couleurs apparaissent, grâce à la chimie. Certains produits, en effet, mélangés à cette poudre, donnent des couleurs totalement différente d'un produit à l'autre. On fait des mélanges, on procède à des essais, et on s'aperçoit que le cuivre donne du bleu. Que le bleu donne du vert. Que le sodium
donne du jaune. Et le strontium donne du rouge. Et que le calcium donne du or. Etc. Etc. Dès lors, la créativité n'a plus de limites. Et encore aujourd'hui, tous les ans, de nouveaux produits apparaissent. Voici donc, pour clore cette première partie, un petit bouquet coloré. Appelons-le le petit bouquet du grand feu. Yeah.